cette fois-ci, j'ai démarré, il était à 120 à peu près. Ça mène à 300 degrés et je dois enfourner théoriquement, si tout va bien, à 8h30. C'est un four magnifique, ça. Ah, ça, c'est un four à l'ancienne, ouais. À l'ancienne, un four à chauffe direct, la gueulard. Et il est de quelle année? Il est dans les 1930, dans ces eaux-là, je pense. 1930. Ouais, je crois. Ouais. Faire pivoter. Tout le monde la chauffe. Pour que ça balaye toute la surface du four. C'est quoi? C'est du bois que vous mettez? C'est... Ouais, je fais un mélange de bois et de bois compacté. Et là, on assiste au façonnage, c'est ça? Voilà, façonnage des camutes. Donc les camutes, c'est un type de pain? Oui, c'est une farine spéciale, c'est un ancien blé. Un camut, c'est une marque. C'est la variété de blé, c'est du Khorasan. C'est un blé bio? Oui, c'est des vieilles variétés d'origine égyptienne. Et vous travaillez uniquement des farines biologiques? Oui, ouais. J'en ai 6 sortes. 6 sortes de farines? Ouais. Et les tailles, combien de sortes de pain alors à l'avance? Et moi j'en ai en sortes de pain, là en ce moment j'en ai une dizaine. Et la pâte, vous la préparez la veille Non, bah pour l'instant non. Moi je prépare le matin même. Le matin même, d'accord. Donc ça fait un lever à quelle heure ça? 3h15, le premier pétrissage attaque à 3h20, à 3h30. Donc, et là moi j'ai 2 heures de pousse après pétrissage avant le façonnage. Donc la pâte a reposé 2 heures hein, avant que je commence à la diviser et à la façonner. Donc il y a la division et le façonnage. Et le levain, il est naturel? Ça, c'est un levain naturel, ouais, qui est... Moi, ça fait 12 ans que je l'ai, quoi, à peu près. D'accord, et vous l'élevez Et il faut le tenir, il faut l'alimenter, il faut lui donner à manger, comme on dit. Là, c'est quoi comme pain que vous préparez? Là, c'est les derniers, ça, c'est une vieille farine aussi. C'est qui s'appelle du petit épeautre. Celle-ci, donc, c'est une farine qui a très peu de gluten, il en a, mais... Donc il gonfle pas trop, ça sort un pain très dense. C'est pour ça que je le mets sous forme de moule, c'est pour qu'il se tienne bien. Et en plus là je fais moi du pur petit épaule. Pourquoi pur? Parce que je fais un levain de petit épaule aussi. Produit où ça, petit? Alors le petit épaule, lui il est dans les Hautes-Provence. Dans le sud de la France, oui. Véro, bonjour. Oui, bonjour. Donc voilà, on est le matin bonheur. Voilà, bon, moi j'aide Dodo. Donc je mets en place le magasin, les meringues, les petits produits supplémentaires qu'on fait de temps en temps. C'était déjà une boulangerie ici? Oui, depuis très longtemps. Enfin, bistro-boulangerie. Bistro-boulangerie avec du pain fait au feu de bois. Il a toujours été fait au feu de bois ici, en tout cas. Tous ceux qui ont repris derrière les démonards ont fait au feu de bois. Ouais. Alors, c'est quoi ce challenge? Ah, ça, Doudou, il travaillait déjà comme ça dans les Vosges. D'accord, donc déjà... Doudou était déjà boulanger à Jarzy, c'est ça? Ouais, à Jarzy. Et le pain des montagnes. Voilà, le pain des montagnes, exactement. Donc on a gardé le nom hein, pour que les gens, ça les perturbe pas, au moins ils peuvent nous retrouver ici. Et on est dans un petit village, donc il faut que les petits commerces reviennent dans ces villages. Et est-ce que la municipalité vous a aidé un petit peu dans Ah bah ils étaient plutôt ravis, oui. Commerce de plus dans un petit village de 500 habitants, c'est toujours bienvenu ça. Donc vous êtes ouvert de 10h à 19h? Voilà, c'est des horaires plutôt particuliers puisque Doudou se lève quand même à 3h. C'est un pain qui lui demande beaucoup d'heures de préparation. Ce qui fait tout manuellement à part le pétrissage. On remplace par gamelle d'eau au moment de la cuisson. Et l'eau va donc s'évaporer. Ouais, ouais. Avec le foyer qui reste dessous là, avec le feu qui reste, ça va créer de la vapeur. Sert à donner de la couleur au pain. Ouais. C'est ce qui donne la couleur dorée. Autrement, le pain sort blanc et mat.
d'une part, et après ça sert également à l'épaisseur de la croûte. Et la clientèle, elle arrive Alors, non, en fait, ça s'est tout fait tranquillement. On n'a pas fait de grosse publicité parce qu'on voulait que ça se fasse de bouche à oreille plutôt. On trouve que c'est plus... ça fait venir des gens qui sont venus d'eux-mêmes en fait. D'accord. Qui ont entendu dire et qui viennent donc ça peut être par curiosité, donc il y en a à qui ça convient pas, hein. C'est du pain quand même fait à l'ancienne avec un levain naturel, donc ça peut être un pain un peu moins aéré que ce qu'on peut trouver en pain blanc, c'est sûr. Moi, j'ai jonglé avec différentes pelles. Donc ça, on appelle ça comment? Une pelle. J'en ai pour enfourner, j'en ai pour défourner. Donc les fours de bois. 4 mètres de long. Donc on fournit plus gros d'abord. Au fond du four. Ça, je vais pas bouger. Puis bonjour en dernier. Donc là, on signe le pain. La grigne, ouais. Ça, c'est la signature du boulanger. Il y a toujours. Et je fais. Chaque type de pain a sa signature, ouais, la différence. Là, celui-là, c'est le bûcheron. D'accord. C'est un pain. C'est un bûcheron de 1 kg. C'est un pain blanc, c'est. C'est du semi-complet avec du seigle. D'accord. Deux farines différentes, de deux céréales différentes. Des bûcherons en couronne. Des bûcherons en couronne. Plus dur en fournée, non? Ouais, il faut. Là, parce que là, effectivement, il a bien poussé. Ouais. Et la pelle est un petit peu limite en taille. Ça demanderait ta taille, un peu plus large, tu serais plus à l'aise. Et ça se passe. Ça passe pas trop mal. Donc là, il faut attendre combien de temps la cuisson? Quand c'est cuit, je le sors. Et ça fait? Ça fait dans les 45 minutes, je crois. 45 minutes. Donc c'est peut-être 45 minutes pour un petit café alors? Je pense que non, parce que. Non. J'ai pas fini derrière. Et le café marche aussi alors? C'est oui, ouvert. Après c'est. C'est plus un café, c'est plus complémentaire en fait. C'est plus un lieu de rencontre le week-end. Souvent, il y en a qui s'attardent ici, qui se rencontrent dans la boulangerie, qui boivent un coup. Mais les cyclistes aussi, ils s'arrêtent. Les bons cyclistes qui mangent encore des meringues, qui boivent. Il y en a encore. Ouais, ah oui, qui mangent des meringues hier et ils ont même bu de la bière. Hein. Ça devait pas être facile. Bah, c'est un sucre lent. Hein. C'est un sucre lent. Donc Véro, là, qu'est-ce que. Alors là, j'ai fait des orangettes moi-même. Je les trempe pour faire, voilà, hop. Je les trempe dans le chocolat, donc bio à 70%. De cacao. De cacao. Et ce sera sur l'étal tout à l'heure. Ah ouais, dès que c'est cristallisé, hop, ça c'est vendu dans la journée. Petite fabrication, hein. Micro-entreprise, micro-travail. Donc là, on les répartit un peu. Ouais, il faut les bouger un petit peu parce que. Ouais, il y a différentes écoles. C'est-à-dire que. Moi, je pense que le pain, il a absorbé pas mal de chaleur à l'endroit où il était posé. Et. Pour qu'il continue d'être un petit peu plus fort, moi, j'aime bien les bouger un peu. Ça mérite encore un petit coup. Ça va pas trop mal. Ouais, ça y est, il est cuit. Ça y est. Donc là, le four, il est descendu à quelle température? Regardez. Il devrait faire entre 180 et 200. Il descend à 200 en fait. Ah, il y a une belle couleur. Ouais, là.
l'humidité qui a été apportée est correcte. Bastien, qu'est-ce que vous faites là? Je suis simplement en train d'enlever la cendre qui s'est mise sous le pain. D'accord, pour les pains qui sont en fond de sol, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Et après, ça part sur l'étal. C'est ça. Et alors, il vous semble bien ces pains? Bon, hein? Sinon, je serais pas là. Alors, celui-là, c'est quoi comme pain? Alors, celui-là, c'est céréales. Céréales. 5 céréales. 5 céréales. Et là? Ça, c'est le camut. L'ancêtre du blé. Voilà. Et ça, c'est le bûcheron. C'est le bûcheron, c'est... Un kilo. Un semi-complet, ça, et seigle. Semi-complet et seigle, c'est ça. Et celui que les clients préfèrent, c'est lequel? En général, c'est le céréale, le préféré. Le céréale, ouais. Le céréale, le camut aussi. Après, tout ce qui est là... Ça part, mais c'est vrai que ceux-là, c'est les deux. C'est les préférés. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous lui trouvez de bien à ce pain? Eh ben, qu'il est bio. Il est bio, il est bon. Bah oui, en plus il est bon. Et vous venez, vous venez souvent? Toujours. 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 Avant j'allais à Alpasse, puisqu'il y avait un boulanger bio le vendredi à Alpasse. Mais comme c'est ici maintenant, ça fait moins loin. D'accord. Donc c'est une bonne chose, l'ouverture, la réouverture de la boulangerie. Ah, c'est sympa. Oui. Sympa. Parce qu'en vérité, ici, je connaissais, moi, l'ancienne propriétaire, donc la Jocelyne, à qui appartenait cette boulangerie, donc, qui était fermée depuis un petit moment. Et moi, il y a... Ça a fermé combien de temps? Moi, j'ai plus d'une dizaine d'années, ouais. Et donc, moi, quand je suis sorti de mon CRP boulangerie, il y a donc un certain nombre d'années, j'avais été boulanger ici. J'avais fait une nuit avec Jocelyne pour voir un peu comment ça fonctionnait. Une nuit avec Jocelyne? C'est une nuit avec Jocelyne, dans la boulangerie. Et parce que le projet, c'était de racheter ici. Et ouais, le projet était tombé à l'eau. Donc, 10 ans après, il se réalise. Et 10 ans après. Ça a fermé un moment, et puis ça avait rouvert. C'est dans la de l'eau, là. Tu vois? D'accord. On est là. Donc là, vous essayez. Alors, on est en vélo, on peut pas prendre un gros pain. Bah non. On vient dans la voiture. Moi, je suis en Belgique, donc je découvre la Savoie. Vous êtes Belgique? D'accord. En vélo? Non. 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 Pas cette fois. Pas cette fois. Bonjour, voilà. Allez, autre chose? Oui. Vous voulez goûter quoi? Un petit morceau comme ça? Non, 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 je vous prends un cake. Un cake complet. Allez. Voilà. C'est pour faire goûter quelqu'un. C'est gourmand. C'est gourmand, c'est très bon. C'est gourmand. Tu fais prendre un camut, ouais. Et puis un céréale. Ouais. On a mis des petits noms un peu comme ça, parce que le bar c'est un peu Bogus. Ouais, c'est vrai. Le four c'est Pige. Il y a vraiment une grosse équipe derrière. Il y a vraiment une grosse équipe qui nous voit. Pas que toi. Non, non. Non, non, il n'y a pas que moi. Donc, on va faire des gros bisous. Voilà, on les embrasse, on les salue.